régler les doigts cresse qui sont équipés sur une bilineuse Schmauser. Alors comment on règle les doigts cresse? Déjà, il faut régler l'écartement en fonction du rang. Alors c'est important que la bilineuse soit en position de travail. Donc il faut régler les doigts en fonction de l'écartement. Donc on règle ça, donc on desserre les descentes pour que ça soit libre. Ces deux fixations-là, on les règle au niveau de l'écartement-là. Après, pour régler la pression au sol, il faut juste lever la barre, y mettre une pression, descendre, donc dévisser ça, et descendre et mettre une bonne pression au sol. Il faut qu'il soit bien aplati là, il ne faut pas qu'il travaille en pointe. Il faut vraiment que le but du jeu, ça vienne s'aplatir, parce que les entraîneurs, ça, la partie métallique, c'est elle qui va donner le nom d'entraîneur, l'entraînement. Donc, il faut que ça reste bien aplati, que ça se recroise. Vous boulonnez pour pas que ça se desserre. Donc, une fois que le terrage est bien mis, et vous enlevez votre clé. Aussi simple que ça. Faut pas venir avec une servante d'atelier, juste deux clés, ça suffit.